Monsieur Gandavi, on se retrouve ici à Langon, donc avec un tout nouvel hippodrome. Oui, un tout nouvel hippodrome, donc vous en avez eu un aperçu maintenant, on a fait une petite visite. Bon, je pense que c'est un nouvel outil qui devrait plaire au public et aux professionnels. Et bien sûr, nous-mêmes, on y travaille dessus, bien sûr. Deux petits éléments techniques, la longueur des pistes en plat et en trot. Alors en plat, donc, nous avons une piste en gazon donc, de 1450 mètres et la nouvelle piste de trot fait 1280 mètres. Une piste de trot qui va permettre d'accueillir deux réunions premium. Oui, deux réunions premium et cinq réunions de PMH donc sur toute la saison 2015 et qui débutera donc le 6 avril pour le lundi de Pâques. On revient aux fondamentaux avec des réunions mixtes. Oui, on revient aux fondamentaux parce qu'on du fait qu'on ait deux pistes maintenant, je pense que de toute manière ça peut s'organiser beaucoup plus facilement et ça correspond de toute manière à ce qu'on espérait de pouvoir avoir donc du public aussi bien pour le galop mais aussi pour le trot. On est à la fin du chantier, encore quelques mois devant nous. C'était un gros chantier, difficile à mener. Gros chantier effectivement parce que pour nous c'est nouveau et en même temps bon difficile, bon oui ça l'est toujours bon parce que c'est très gros pour nous et en même temps on a bon il a fallu surveiller certaines choses et bon on s'est aperçu de certains petits détails mais qu'on a pu rectifier bon et on espère qu'on ne sera pas passé à côté de l'essentiel. On touche au but, dans quelques mois on va voir les premières courses, a priori tout s'annonce pour le mieux. Oui, tout s'annonce pour le mieux. Bon, là, on prévoit donc fin décembre que tout soit terminé fin décembre. Bon, pas l'environnement, bien sûr. Tout ce qui est VRD, bon, va suivre très certainement tout début janvier. Mais tout cet équipement donc devrait être terminé et bien en place pour recevoir les professionnels, le public le 6 avril. Merci.